GG Bueni, GG Monnier, GG Les Enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très, très, très content de vous retrouver sur les antennes de, de la télévision pour une nouvelle émission. Une nouvelle édition. Un nouveau numéro 2. 100% Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Thomas Ferrari. Et avec lui, euh, on va essayer de découvrir les, les oiseaux. Alors, pas n'importe lesquels. Hein. Le faucon, le vrai, hein Enfin, le vrai, le, le vrai faucon Eh oui, il y en a à Mayotte. Thomas Thomas Ferrari, il fait partie de l'association Gépomaille. Un drôle de regard sur les animaux et notamment les oiseaux, surtout les oiseaux. C'est avec lui qu'on a rendez-vous et c'est grâce à lui qu'on devrait retrouver le faucon pèlerin. Il paraît que c'est l'oiseau, voire l'animal le plus rapide de la Terre. Figurez-vous qu'il était à Mayotte. <laughs> Thomas Ferrari, non. Avec lui, on va les vite, crois-moi. Waouh. Ah Daniel, je te jure, c'est magnifique, viens voir. Ah, oh, c'est magique, regarde ça. Waouh. Ah ouais, énorme. Là, on est en haut de la carrière d'Oujani. C'est tout simplement euh, splendide. Ouf, ça donne le vertige, cette histoire. Oulala! Là là. Euh, c'est ici normalement qu'on a rendez-vous avec Thomas Ferrari de l'association euh, Gepomaille pour parler des, des faucons. Mais clairement, euh, il n'est pas là. Et hey, Thomas? Ouais. C'est pas un Milan que je vois là-bas, là à droite? C'est pas un Milan, c'est les faucons qu'on cherche. Pourtant, c'est ce que je vois, un hein, Milan, non? Non, mais attends, c'est eux en bas là! Ah, mais c'est Patrick! Mais je lui avais dit en bas! Ah, mais lui, c'est un vrai! Non, mais c'était prévu en haut! Et qu'est-ce qu'il foutent en bas? Oh Non, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien Si Ah non, on n'a pas fait tout ça pour rien Ça veut dire qu'on est quand même obligé de redescendre Ça a l'air de te faire plaisir, Daniel mmh. ah Salut Thomas Salut Patrick Comment ça va Ça va et toi Bah ben écoute, impeccable, impeccable, on, est, on avait dit en bas, ben on est en bas. Bah ouais, bah c'est ça C'est exactement ça se passe. J'ai cru voir un Milan là-haut. Non, ben non, 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 c'était un faucon. Ah ouais, d'accord. <laughs> bon, plaisanterie à part, ravi de, de te retrouver ici dans la carrière de Doujani. On va essayer d'abord de découvrir et de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pour qui tu, tu bosses, c'est qui J'ai Pomaille Et puis, on nous a dit effectivement qu'ici, il y avait le fameux faucon pèlerin. Alors, ça nous paraît quand même un peu capillotracté. Mais euh, est-ce que tu veux bien nous aider à découvrir le, le faucon pèlerin de, de Mayotte et surtout essayer de le comprendre C'est pas une légende, même ouais. si euh, beaucoup en doute, mais il y a bien le faucon pèlerin ouais, qui, qui est présent sur Mayotte et qui niche à Mayotte, notamment euh, sur ce, ce site de Doujani. Et euh, voilà, donc on va là aujourd'hui, on est là pour euh, dans le cadre d'un suivi sur la reproduction de, de, du couple qui niche ici, et en même temps on essaye d'étudier un peu le comportement de l'espèce euh, en période de reproduction. Donc on va noter euh, son, son comportement euh, en fonction d'une source potentielle de dérangement ou son comportement de nuptial, donc euh, des parades, euh, l'apport de nourriture de, par le mâle envers la femelle. Euh, voilà. On va noter tout un tas de données et puis euh, après l'idée c'est de, de réussir à, à observer ça jusqu'à l'envol des jeunes qui, qui aura lieu d'ici euh, quelques mois. Et ça c'est ton job alors Ouais Ton métier c'est d'observer les oiseaux c'est une part du métier, ouais. mais euh, c'est une grosse part du métier. Ouais, c'est de, en fait, de faire des suivis sur euh, soit des espèces à part entière, soit des, des populations d'oiseaux, euh, dans le but d'avoir un recensement régulier, donc ouais. euh, tous les mois ou plusieurs fois par mois. Ouais. Et c'est ce qui va nous permettre, soit pour, pour le cas du faucon pèlerin, de confirmer sa reproduction euh, avec un nombre de, de, de jeunes qui va s'envoler, soit ça va être des suivis sur des populations qui vont nous permettre, euh, à partir d'un certain nombre d'années, euh, en fait, d'avoir une tendance des populations sur euh, est-ce que la population euh, est en déclin Est-ce qu'elle est en augmentation Est-ce qu'elle est stable Et voilà. Alors nous, on va essayer, avec le matériel que l'on a, de vous faire découvrir le faucon pèlerin. On va essayer de le, de le filmer. Euh, tu as toi-même des, des, des photos. On va peut-être pouvoir essayer de, de, de vous le montrer. Ça ne va pas être évident, euh, d'autant que euh, pour euh, suivre le faucon pèlerin, il faut être grand. Ah ouais. Cherchez l'erreur. Ah tiens Patrick viens voir ouais. Il est là Tu le vois là Ouais tu le vois pas toi Euh ouais. non moi je On laisse on... Ouais si on peut okay. ouais. Alors Ah ouais Je sais pas si tu le vois il est posé sur un rocher à côté du buisson C'est incroyable il est en train de scruter euh... Là il scrute son territoire Il est sur un rocher perchoir euh... C'est des, des promontoires qu'ils utilisent autour de, de, leur, de leur nid pour, pour surveiller leur territoire de reproduction. C'est incroyable de voir cette bestiole ici. Et il euh, y, y a beaucoup de... de non pas d'espèces mais d'individus. De, sur Mayotte Ouais. Ben, on ne connaît pas bien la, la taille de la population sur Mayotte. On estime qu'il y a entre 8 et 10 couples. Ouais. Euh, grâce à des observations euh, ponctuelles hein, que des, des adhérents vont nous envoyer. Thomas, parle-nous du, du, du faucon pèlerin. C'est quoi cet animal On nous dit que c'est l'animal le plus vivant sur Terre le plus rapide au monde. C'est vrai ou c'est faux ben, Jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai, c'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Ouais. Euh, donc en fait, c'est euh, un rapace qui ouais. fait partie de la, de la famille des faucons. Euh, donc, il est présent sur l'ensemble de la planète, excepté en Antarctique et sur quelques archipels océaniques. Ouais. Sinon, il est présent partout. Et euh, en fait, c'est euh, l'animal enfin, terrestre le plus rapide du monde, puisque euh, sa technique de chasse, en fait, il se nourrit essentiellement d'oiseaux. Et sa technique de chasse, en fait, ça va être de, de, de piquer sur ses proies à pleine vitesse. Et il y a euh, plusieurs individus, enfin, c'est déjà arrivé des individus qui sont chronométrés à plus de 300 km/h. 300 km/h euh, euh, Mais c'est vrai que c'est un oiseau qui est assez difficile à voir, parce que du coup, il a tendance à voler très haut pour surveiller euh, ses proies potentielles. Et, euh, et puis, comme ils nichent euh, sur des, des sites de falaise, ce n'est pas forcément les endroits ouais. les plus accessibles. Alors, 300 km heure pour un oiseau. Et si c'est Thomas Ferrari qui vous le dit, c'est que c'est vrai. C'est pas faux, en tout cas. <laughs> Donc, tu me disais, le foucon pèlerin se reproduit sur, euh, sur les hauteurs. Et là, on parlait du, de ce fameux nid, qui, euh, où celui-là, en tout cas se couple, il y a déjà des, des œufs. C'est ça. Ouais. En fait, là, on, est, euh, on vient de... On est à la période où euh, la femelle a, a pondu ses œufs. Donc ouais. là, on va partir pour euh, de 30 jours à peu près de, de couvaison par la femelle, essentiellement. Et, euh, et les petits vont, vont naître euh, début octobre, fin septembre. Donc là, on n'aura pas d'image, là, maintenant, pour avoir ces. Là, non, là, enfin, c'est impossible. Là, là c'est impossible parce qu'en fait, pro... c'est là où ça rend compliqué les observations de l'espèce. C'est que du coup, c'est un oiseau qui vole très haut, ouais. les trois quarts du temps, euh, qui s'approche très rarement du sol et euh, qui niche euh, sur des falaises. Donc souvent, ce n'est pas facile d'accès, donc euh, compliqué à aller observer. En quoi le faucon pèlerin est exceptionnel à Mayotte En quoi cette, ce qu'on est en train de voir là actuellement est exceptionnel bah, En fait, ce qui, ce qui fait que l'espèce est, euh, est exceptionnelle, c'est ce que je dis, c'est un oiseau qui vole très haut, donc, qui, est, en fait, qui est très difficile à observer euh, de manière générale. Et en fait, là, ici, à Mayotte, on a la chance d'avoir des falaises très haute ce qui fait que son observation est, euh, est rendue plus, plus facile que, que dans d'autres sites comme euh, les Alpes ou le Jura ou les montagnes ont tendance à être d'accord voilà. c'est pas le fait de voir hein, faut un faucon pèlerin à Mayotte qui est exceptionnel mais effectivement c'est euh, en fait. de pouvoir le voir aussi bien, bien avec ces falaises qui sont euh, tout simplement euh, accessibles tu m'as dit que tu avais des images <coughs> et des photos de, de nids et, et, et de petits on, on peut jeter ouais. un œil ouais on peut hein regarder ça sur l'ordinateur rapidement ben, on, je te laisse ouais. installer l'ordinateur pendant ouais. ça là on va laisser euh, Daniel se reproduire comme les faucons sur, sur les hauteurs. Il paraît qu'ils se reproduisent très, très bien, le, le Daniel, sur, le, sur les hauteurs. Parce que du coup, la zone de, du nid, en fait, ouais. ils ne font pas réellement de nid, en fait, ils, ouais. on appelle ça une aire. Ça va être la plateforme où ils vont, où ils vont faire leur, leur nid, entre guillemets, ah ouais. mais ils ne construisent ouais. pas de nid, en fait, ils, ils vont nettoyer, faire un semblant de petite cuvette, en poussant les graviers sur les côtés. Et voilà. Et là, du coup, on a les, les poussins qui sont à, là. Ils sont à quelques jours de l'envol. C'est quoi le prédateur de, du, du faucon pèlerin euh, ben, Ici, sur Mayotte et euh, même en métropole, il n'en a pas vraiment hein, puisque lui, il est, au, il est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle les, un grand prédateur. Ouais. Il se nourrit d'autres oiseaux et euh, du coup, il n'a pas. Il a pas de prédateur à proprement parler. En fait, il y a, il a surtout des menaces, surtout dues à l'homme ah, oui. qui, ben oui. qui vont lui causer des, des, des dommages. Mais, euh, mais il n'a pas de, de, de prédateur à proprement parler. Quoi. Ouais. Thomas, ouais. quand tu fais ce, ce job-là, en pleine nature, là, à observer, à, à regarder, euh, qu'est-ce que tu, toi, au plus profond de toi, qu'est-ce que tu ressens bah une plaisir, clairement. Et après, bah, en fait, aussi, euh, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est pour l'intérêt public qu'on fait ça. est-ce ouais, que t'as est le... le sentiment à un moment donné que ce que tu vois, ce que tu fais, c'est unique Que ah, d'autres bah ouais. euh, ah, personnes n'auront jamais cette chance quoi. On, ouais bien sûr, à chaque fois qu'on vient sur le terrain et qu'on assiste à des scènes que les gens voient à travers les reportages ouais. animaliers à la télé. Ouais. Nous en fait on le voit en direct, donc c'est vrai que c'est... Bah ouais. Magique. Mayotte est une île, euh, comme son nom l'indique, entourée d'eau, donc beaucoup, beaucoup de pêcheurs. Est-ce que euh, les Maorés, les gens originaires de, de Mayotte, s'intéressent à la vie des, des oiseaux il euh, y en a, il y, y en a pas mal, oui. Il ouais. euh, y a notamment Anis nice, là qui vient de rejoindre l'association, ouais. qui vient d'être embauché euh, en tant que technicien ouais. pour justement bah, participer, euh, réaliser des missions de terrain, missions de, de comptage, de suivi de population ouais. et d'autres euh, études euh, dont il peut vous parler d'en discuter avec lui, euh, avec lui tout à l'heure. Ces, euh, ces faucons pèlerins là, ici à Mayotte, dans cette euh, carrière de, euh, de doujani, euh, ils peuvent vivre en... Enfin, si le mot est, est, est bon, mais en, en tribu, en bande, en, en meute, euh, où ils sont euh, vraiment euh, isolés Alors non, ouais, ils, ils vivent plutôt euh, en solitaire. Euh, ouais. Donc en fait souvent ils sont... Alors ici à Mayotte, on pense qu'ils ne sont pas migrateurs, qu'ils sont sédentaires, ils sont là toute l'année. Et, euh, et en fait les couples se retrouvent chaque année sur leur site de reproduction, ouais. euh, puisqu'ils reviennent euh, chaque année sur le même normalement. Annie, c'est important pour toi d'observer ces, euh, ces oiseaux Oui, pour mieux les connaître. Ouais. Et, euh... Donc euh, ouais, ouais c'était quoi ton, ton, ton déclic Alors moi, ma passion pour, pour la nature en général, hein, euh, pas, pas spécifiquement sur les oiseaux, euh, me vient depuis tout petit. Euh, j'ai grandi, euh, je suis né à Mayotte, j'ai grandi à Mayotte, ouais. sur une île euh, assez bien conservée en termes de, de nature. Et, euh, et du coup, euh, bon, j'avais à cœur de, de participer à, à la conservation de de, de, de cet environnement hein, ouais. qui, qui, euh, qui, dans le monde, euh, est assez exceptionnel. Ouais. Euh, voilà. ouais. il, y a, il y a un gros manguier là, à gauche qu'on qu voit là-bas. C'est vraiment le, leur perchoir. pour C'est là où on le voit le, les, la plupart du temps faire sa toilette et consommer ses points Thomas, on est dans la carrière de Doujani. Euh, comme son nom l'indique c'est une carrière donc il euh, euh, y a des travaux qui sont effectués euh, ici il y a des, donc des bulldozers, des camions qui viennent il y a donc du bruit, on ne peut pas dire qu'on est en pleine nature où il n'y a, a pas un pète de bruit on a également un stand de tir qui n'est qui est, qui est pas loin, comment réagissent les, les faucons à tout ça Alors c'est une espèce qui euh, est considérée comme euh, assez sensible au dérangement ouais. mais euh, c'est vrai qu'on a remarqué depuis quelques années euh, qu'en fait elle a une capacité à s'adapter aux nuisances sonores une fois qu'elle a réussi à l'identifier. Typiquement, nous dans les observations qu'on fait, quand euh, par exemple il y a le, le stand de tir qui est en activité, ouais. on remarque à la première détonation, les oiseaux arrêtent euh, leur activité, ouais. ils cherchent d'où vient le bruit, ils identifient que c'est euh, les policiers en contrebas qui sont en train de tirer, mais que ça les concerne pas. Là, et là je ils dis, ça va, c'est les policiers, on voit <laughs> <ce> que... <laughs> un peu ça. Ils disent c'est bon, ils sont, on ils n'ont pas l'air la méchants. <laughs> et du coup ils vont se mettre, en fait ils vont reprendre l'activité qu'ils ouais. qu avaient stoppée juste avant. Thomas, et s'il euh, y a des gens qui veulent venir observer euh, les oiseaux, c'est possible Oui, bien sûr, il suffit de nous contacter sur euh, l'adresse. Euh... Celle qui s'inscrit là en bas de l'écran Exactement. C'est celle-là, on est bien ouais. d'accord. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. contact.gpomail.fr. Ouais. Et, euh, et en fait, on essaie d'organiser euh, assez régulièrement le week-end, ouais. euh, suivant nos disponibilités, mais on essaie de, de mettre en place des sorties euh, destinées aux adhérents le week-end pour euh, justement euh, pouvoir se consacrer euh, aux adhérents qui nous accompagnent et leur présenter les, les oiseaux de Mayotte et, euh, et leur donner envie de, de s'y intéresser un peu plus Merci mille fois Thomas bien pour bien euh, bien tout ce temps passé avec nous. Alors, évidemment, je vois déjà les messages. Dis, en fait, euh, non, il n'est pas si grand que ça. Hein. En fait, non, non, c'est les, les jambes. Il a des très grandes jambes, mais, mais le, le, le buste est très court. Le buste, il a un tout petit buste. Hein. Merci euh, mille fois. Allez, bien vous connaissez le principe de l'émission. Si vous aimez les faucons, si vous aimez les vrais également, si vous aimez euh, Thomas, si vous aimez euh, la nature, si vous aimez Mayotte, bah, dites-le. Dites-le fort, en criant, mais très, très fort. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, un nouveau numéro de 100% Mayotte. Ciao <médicatrice>